Ok, est-ce que ça fonctionne? C'est la grande question du jour. J'ai changé tous mes paramètres. Changé absolument un max de paramètres sur XSplit Broadcaster. Du coup, je n'ai aucune idée de si ça fonctionne ou pas. Ça a l'air, d'après le retour que j'ai. Essayer de regarder le retard que j'ai. Mais ouais, ça a l'air de fonctionner. Ok, j'ai moins de 10 secondes de décalage, ce qui est excellent. Et j'ai un bitrate qui a plus de 2000 constants. Et ça, c'est encore mieux. Donc logiquement, cela devrait être beau, magnifique, absolument merveilleux. Super. Ça a l'air de fonctionner. On va essayer de voir contre un boss si vous avez pas de... Comment je pourrais dire? En fait, contre un boss, j'ai remarqué pendant les rediffs que ça faisait un petit peu sale, un petit peu pas tout à fait propre en fait. Donc on va voir. De toute façon, à 2000 kbps. Merci Arito. Salut Graffitide. Et salut de Marco. J'aime bien, c'est moche, flou, le son est horrible. Donc en gros, avant, si vous voulez, j'étais en VBR, c'est-à-dire en variable. En gros, à chaque fois qu'il y avait par exemple un temps de chargement, le débit que j'envoyais diminuait grandement, c'est-à-dire que j'étais à genre 500 kbps, alors que j'ai réglé à 2000. Et du coup, comment je pourrais dire, du coup, bah, ça faisait des 500, après ça repassait à 1700, mais j'étais jamais en fait autour des 2000 kbps. C'était très très rare. Et ça se voyait sur les rediffs surtout. Sur les rediffs, tu le voyais à mort. Genre, je combats un boss, et d'un coup, tu sais, ça redevient propre, puis ça redevient dégueulasse, ça redevient propre. Et ça, j'ai aussi changé. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez, si c'est beau, pas beau, si ça a du mal à charger, ou aucun mal. Voilà. Si je first strike os, non, c'est impossible. N'hésitez pas à me dire si tout fonctionne bien, s'il n'y a pas de frame drop. Aïe. Je regarde tellement le live. Merci, Koss. Ce qui est beau, c'est la musique. Tout à fait, Renocest. Là, c'est vraiment un petit live. En fait, je voulais absolument tester, puisque j'ai changé pas mal de paramètres sur XSplit, pour vous et pour moi, que ce soit encore plus propre, que ce soit plus joli. Et je comprends maintenant pourquoi j'avais, en gros, pendant des mois, j'avais un truc sur mon XSplit comme quoi ça ne passait pas les recommandations Twitch. En gros, que c'était pas au, oups, c'était pas au minimum en fait des, enfin au prérequis de ce que voudrait Twitch sur sa plateforme. Et je comprenais pas ce qu'il voulait en fait, mais si, il y avait deux trois petites choses à changer. En tout cas, oui, Renocest hein, ce soir sur Dark Souls 3. C'est absolument pas ce que ça va donner, hein, mais voilà. Sachant que je vais devoir tuer quand même deux boss sans les cestes. C'est obligatoire. C'est obligatoire parce que les cestes ils sont au village des morts-vivants là-bas. C'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin. Voilà. Il est là le bon chemin. Allez hop. Bah bien content en tout cas, j'ai passé une journée absolument incroyable. J'ai passé la journée à monter un meuble. Ça fait plaisir. La caméra, merci.
Au pire, Gunther et Vort au point. Vort, non, parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Gunther, pourquoi pas. Ouais, à moins que quelqu'un du live me donne directement les cestes, ce qui serait sympa. Mais bon. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'on va voir. On va voir en fait si on affronte... si on peut se le faire au point, Gundyr, ou pas. En fait, je pense que tout va dépendre de ça. Alors attendez, je regarde le live. J'ai eu un petit... drop de frame. Ah non, même pas. Non, c'est moi qui... Allez, hop. N'hésitez pas à me dire hein, si ça bug ou pas. Normalement là ça a l'air d'être vraiment bien. Hein. Je trouve que ça passe plutôt bien. Je vais ma rediff à moi, comme ça ça ne prend pas trop d'internet. Donc oui, à moins que quelqu'un puisse me filer les cestes, hein, on peut s'organiser ça hein, si l'un de vous... en train de me faire plaisir. Ok, let's go, Corse. C'est détente, on est contre Corse, on est en NG plus 7, c'est beau. Je suis derrière toi, mec. Du coup, tu abandonnes le Kirk Challenge. On va dire qu'il est en pause très prolongée. Peut-être qu'un jour je m'y remettrai. Peut-être. Je pense que je peux me faire le boss du premier DLC, là, le boss optionnel. Lui, je pense que c'est faisable. Mais autant le Frid et les démons, je vois pas comment. Même Lobos, il a pas réussi, je crois. Bien le bonsoir, ce suffira. Je vous rappelle pour ceux qui viennent d'arriver qu'il y aura un autre live ce soir à 21h15 et ce sera sur Dark Souls 3 pour la run au Cest uniquement. Voilà. Ce sera beau, ce sera magnifique, ce sera tout beau, tout mignon. Hop. Donc en tout cas, si vous voulez voir les photos de mon meuble que j'ai installé, j'ai passé la journée installée avec le copain de ma mère, c'est sur mon Twitter. Mais il est beau, j'aime le rendu. 21h15, c'est précis. Bah en fait c'est parce que 21h, j'arrive pas à être à l'heure à 21h, des fois je suis en train de faire ma vaisselle. En fait si tu veux, j'aime bien, je mange pas à 7h. Je mange à 8h moins quart. Autant de me faire à bouffer, autant de manger et de finir de mater ma série. C'est soit un animé, soit une série... 40 minutes quand c'est une série. Du coup c'est un peu long. Moi j'aime bien prendre mon temps. De préparer des couches. Bon t'inquiète. Le cest c'est pas... c'est pas ce qui me fait le plus peur le cest. Le Kirk Challenge me faisait peur. Hein. C'est la première fois dans une run Dark Souls. Salut Dovahkiin. Donc c'est la première fois dans une run d'un jeu Souls, que le Kirk Challenge m'oblige à tout écrire à la main sur un bout de papier, à prendre des notes, à savoir exactement ce que je dois faire, à quel moment. Je dois encore avoir le bouquin quelque part, hein. Il me semble pas l'avoir jeté, ou l'avoir laissé pendant le déménagement. Il me semble pas. Si je l'ai, je sais pas où est-ce qu'il est. Parce que je l'ai pas vu dans mes affaires. Mais oui, c'est... comment je pourrais dire ? Il fallait vraiment que je prenne telle fiole à tel moment, tel truc, il fallait que je sais pas, enfin j'avais un parcours prédéfini quoi. Et puis il fallait faire tel boss, pas tel autre boss avant. Sinon j'allais pas avoir level. Oh cette merde. Ok. Pour l'instant je gaspille mes balles. Donc la Renocest, je rappelle encore une fois, Renocest Dark Souls 3, 21h15. A peu près, hein, si je suis là 5 minutes après, m'en voulez pas.
Et je pense que ce soir, je vais me faire pour la première fois à mon appartement une pizza. On en avait parlé la dernière fois, là, que j'avais fait un live mercredi. Genre, on en avait parlé, et c'est vrai que je... Elle est bien. Donc c'est vrai que ça m'a donné envie, et je me dis, allez, pourquoi pas. Au moins que j'ai autre chose à manger entre temps. Ah non, j'ai une fougasse au chorizo, sinon. Ça peut être pas mal. D'accord. Immunisé. Fait maison, bien sûr. Je ne fais pas tout maison, allons. On criera retard. Ah, allons les gars, allons. Calmons-nous. Je vais essayer d'être à l'heure. Alors mais là, je suis en train de mater la série Lost pour la deuxième fois de ma vie. Alors c'est un grand moment d'émotion. J'avais pas regardé cette série depuis que j'étais gamin, parce qu'elle date de 2004, je crois, la série. 2004-2005. Donc bon, imaginez-moi, revoir ça autant d'années après, forcément, voilà. Ah, il va se métamorphoser. Oh, c'est la première offensive que je fais en phase 2. Dommage. Ah, je pensais que j'allais réussir là pour le coup. Je me disais, putain, merde. Oh merde. Pour un live test, on va réussir. Oh mince. Oh, il m'a juste découpé en deux quoi. Ah oui, la fameuse pizza Lidl. La pizza de Lidl. Non, mais j'ai une fougasse de U. La pizza elle est au congèle donc on s'en fout. La fougasse, je la bouffe. Moins que la fougasse, je me la garde pour cette semaine. Allez-y, votez sur le chat, à votre avis, pizza ou fougasse ce soir? Allez. Mais si c'est de la pizza, il faut que je préchauffe, enfin, il faut que je foute le four et tout, hein. Il faut que je prévoie le bordel. Et à 7h15, j'aille préchauffer mon four. Donc à vous de me dire, pizza ou fougasse ce soir? Fougasse au chorizo ou pizza au thon? Pizza au thon ou 4 fromages? Je sais plus ce que j'ai dans le congé. Ah, les fougasses de Super U, franchement. Ah, je vois qu'il y en a qui connaissent les Bombay. Le gars, il parle de bouffe, il y a les organes expulsés de cause devant lui. Merde. Non ! Oh, j'ai raté. Putain, c'est dommage. On a raté une bonne tentative tout à l'heure. Bloodstarved Beast, hey, salut. Allez, viens Arito. On mangera notre fougasse ensemble. La fougasse, c'est pas mal, hein, franchement. La Super U, ils en font tous les midis, et du coup, c'est vrai que quand j'y vais le week-end ou quoi, tu sais, faire mes courses, ça donne envie, quoi.
Ça donne envie, du coup t'en prends un peu. Oui, parce que avant je prenais facilement 2-3 fougasses, je les foutais au congèle ou quoi, et puis je les bouffais après. Et ça parle bouffe pendant ce temps, lui il est en train de nous présenter son beau placenta là. Ok. Ok, Koss. Faut que je me mouche. Là j'ai pas le temps en fait. Non mais non! Oh tiens. Allez. Aïe aïe. Donc en tout cas, vous n'avez aucun problème hein, depuis le début du live là pour ceux qui sont là depuis le début. Je veux dire, tout est fluide, il y a pas de bug, il y a pas de problème, tout est bon. Putain, j'ai Si oui, putain, je suis bon, j'ai tout bien réglé comme il faut, yes. En regardant des tutos sur le net. Zéro souci, aucun problème. Oh putain, génial. Je sais pas si vous arriverez peut-être à comparer avec les lives que je faisais avant, mais... Pas forcément les lives 480p, bien sûr, mais... Pas genre le live de mercredi... Normalement, c'est à peu près pareil, hein, niveau qualité. D'image, hein, je parle. C'est-à-dire que forcément, à 2000 kbps, il y aura forcément quelques petits... Comment je pourrais dire, ce sera un petit peu flou, peut-être un petit peu dégueulasse, mais... J'ose pas mettre plus que 2000, parce que... Au-delà, je sais que je serai pas... Ce sera pas fluide, quoi. Vous allez forcément avoir un problème. D'après ma connexion, je peux streamer à 2000 tours rond. En gros, pour les kbps, en plus, c'est tout simple. Hein. Genre, t'es à 20 mégas, tu sais que tu peux streamer à 2000 kbps. En upload, hein, je parle. Voilà, c'est tout bête. C'est ce que j'ai appris en regardant un tuto. Je suis bien content en tout cas que tout soit bien. Les lives ne seront que plus magnifiques, que plus somptueux. En fait, je voulais vraiment enlever cette espèce d'effet de... Parce que des fois j'étais à 2000 kbps, des fois je tombais à 1500, c'était extrêmement chiant. Alors qu'avec le CBR, au moins ce sera à 2000 tout le temps. Mais à 200 près quoi. Genre des fois je vois je suis à 1900 et quelques, mais c'est bon. Je suis pas genre à 1400. C'est comme ça qu'il m'avait battu la dernière fois, non? Ok, génial. Yeah.
J'ai pas d'offensive là. Ok. Booyah! Orphelin de Kos! NG plus 7 pendant un live test, tout va bien. Tout va bien, l'orphelin de Kos est mort. Yes! Yes! Ah, oh, je pensais pas le battre, et voilà, uniquement avec mon grade d'eau ou mon cure-dent, enfin ce que vous voulez. Oh putain, mon cure-nez de luxe. Pouh, salut Ken57! Donc voilà, comme dit Arito, bonne info, quand il appelle la foudre, Kos, on peut pas le stun. C'est cool. Ah ouais, non, mais alors là, voilà, je crache sur la tombe de sa mère, sans aucun respect. Terminé, au revoir, merci. Cauchemar éliminé, c'est bon. Ton gratte-couille. Sweet child of Kos, returns to the ocean. Adorable, c'est le mot. A bottomless curse, a bottomless sea, accepting of all that there is and can be. Ah putain, on aura finalement réussi à terminer ce bordel. Franchement, ça nous aura pris quoi, 20 minutes? Bon bah voilà, en fait il suffit de réapprendre Kos et c'est bon, hein. Mais le truc là de cet augure des Brietas, c'est vraiment magnifique. Merde. Ouh. Allez, on va acheter des provisions. Bon bah on se termine le jeu, hein, on va se terminer le jeu. Putain. Je pensais pas qu'on le battrait, moi je me disais bon allez on va faire ça pendant un petit moment et voilà. Ah oui non, il y a Amidala. Oh, mais oui, mais bien vu Arito, bien vu, heureusement que t'es là, mais oui, il y a Amidala. Je l'avais mais alors complètement zappé. Elle est où elle déjà? Frontière du cauchemar. Bien le bonsoir Grand F. Je rappelle encore une fois pour ceux qui viennent d'arriver, il y aura un live un tout petit peu plus tard là, 21h15. Run au cest uniquement sur Dark Souls 3. Manquez pas ça, ce serait con. Je pense qu'on va bien se marrer. Vieil atelier abandonné. Je crois que c'est à la fin, je crois que c'est ça, non? Cauchemar Men 6, non, c'est pas ça? Je sais plus. Je te voyais partir pour Garman. Ah mais moi aussi là j'étais parti pour German mais j'avais complètement zappé Amidala. Mais c'est vraiment pas un oubli, voilà, j'étais tellement à fond sur les DLC. Non c'est pas ici. J'étais tellement à fond, Frontière des Cauchemars, merci. J'étais à fond sur Kos, les DLC. D'habitude quand je fais mes runs, quand je finis Kos, en gros j'ai fini quoi. Il me reste juste les deux derniers ultimes boss là et terminé. Complètement zappé ce bordel. Frontière des cauchemars. Salut Harry Bob.
Bien le bonsoir à vous, bien le bonsoir. Donc c'était un petit live test en fait parce que j'ai changé des paramètres sur XSplit, du coup j'avais peur que ça bug et que vous ne voyez rien, que ça fasse plein de merde. Ultime boss, ultimement facile. Non, le pire c'était... Donc pour ceux qui n'étaient pas là, j'avais fait un live mercredi après-midi. Enfin mercredi, fin d'après-midi. Et en fait j'avais fait COS et Laurence en NG plus 7. Donc j'ai commencé par COS parce que je trouvais que voilà, c'était celui que j'avais le plus galéré et tout. J'ai pas réussi à le vaincre. Et puis au bout de, je crois, une bonne demi-heure, on s'est dit, si on se faisait Laurence, c'est histoire de changer un petit peu. Du coup, je vais sur Laurence et first try, NG plus 7 avec uniquement cette arme. Donc voilà, ça fait plaisir. Et ça, c'est des trucs que je suis content parce que maintenant, je peux carrément balancer mes rediffs sur YouTube. Donc c'est legit. Maintenant, on peut se faire des trucs comme ça en live, faire des trucs ultra impressionnants, on s'en fout maintenant. Ça fait plaisir. Tout le monde est mort. Koss est mort il y a quelques minutes. Ok, donc ça, c'est de l'accueil. Putain, complètement zappé à mi-temps. Bon, ça va, niveau dégâts, on est plutôt... Aïe. J'étais stun. J'étais stun, je peux pas bouger. T'inquiète pas, Harry Bob, pour COS, il y aura la rediff sur Twitch et sur YouTube. Il n'y a aucun problème. Bah, si tu veux, si vous voulez, pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre, entre guillemets, tout à l'heure, dans, je sais pas, 20 minutes, peut-être, 20 minutes, une demi-heure, je vais aller manger. Et du coup, vous pourrez. Vous avez juste à rafraîchir la page Twitch. Et vous aurez tout de suite un petit lien pour vous emmener vers la rediffusion qui sera tout de suite là. Comme ça, vous pourrez aller sur COS directement. Voilà. Ça, c'est l'astuce en attendant que je refasse mon live à 21h15. Vous pourrez revoir le combat contre COS. Ce que je suis fier, c'est que j'étais même pas forcément à fond dedans, sauf en phase 2, mais phase 1, je l'ai faite en discutant, quoi. Voilà, donc. Alors, Bloodborne, je commence à bien le maîtriser maintenant. Amidala, plus. Amidala avec cette arme. Précise quand même Arito, hein, parce que franchement, Amidala, quand t'as des armes de courte portée, c'est l'enfer. Enfin, personnellement, j'y arrive pas. Je réponds à la question dans une petite seconde. Blue Starved Beast. Je me mets juste dans une position où je me ferai pas sniper, où je me ferai pas voir dans tous les sens. Pour l'armure, of Thorn, vas-tu faire le DLC 2? J'ai déjà essayé, je crois. L'armure... Non, je l'ai pas essayé, le DLC 2. Jamais essayé le DLC 2 avec l'armure de d'épine. Ah, peut-être pas. Non, j'avais essayé avec le SL1. Et en fait, vu la difficulté, je me dis, putain, qu'est-ce que ça va être avec l'armure d'épine? Et j'avoue, j'ose pas. Et je crois que Lobos Junior, qu'il avait fait Dark Souls 1 et Dark Souls 3 uniquement à l'armure d'épine, a bloqué également au même boss que moi. Mais bon, autant l'un que l'autre, on a fait Yorm uniquement à l'armure d'épine. Allez, faudrait au moins vaincre Amidala, putain. Et génial, elle vomit. Allez, Amidala. C'est bien. Crap. Oh putain, complètement raté. Ça c'est affreux avec une arme de courte portée, putain, j'arrive à rien. Oh
J'arrive pas à la toucher, ça me gonfle. Putain. Arme de courte portée de bébure. Allez, touche. Aïe. Oh. Elle emmagasine de l'énergie. Je les ai vus, j'avais envie de les prendre. Les échos de sang. Un gros insecticide. Faudrait une grosse pantoufle surtout. Deuxième. Wow. What? Comment j'ai évité ça? Ok. Frappe d'invulnérabilité, je présume. Ah! Putain! Taste de boya, Amidala! Ah, oh, putain! Ah, mais vous voyez un peu cette galère avec une arme là qui va à peine plus loin que mon bras? Comme quoi, la taille, ça compte. Désolé de décevoir certains, mais la taille, ça compte quand même un petit peu. Oh, putain. Bon, bah merci en tout cas, Arito. J'allais finir cette run sans l'avoir fait, quoi. Oh, l'oubli dégueulasse. On va réparer notre arme. On va... Donc là, il n'y a plus rien. Oui, Amidala, c'était vraiment le dernier boss qui me manquait.
Laurence, on l'a fait. On a fait tous les boss du DLC. Ouais, non, ça c'est bon. On a tout fait. Il reste que German et l'autre saloperie. Enfin, si j'ai bien tout fait pour la débloquer. Normalement, oui. Hein. On avait déjà pris le... Je crois qu'on avait déjà tout pris. Hein, des cordons ombilicales. Ouais. Je pense que j'ai... Ah non, attends. Je les ai pas pris. Ah, j'en ai que deux. Ah mais parce que j'ai pas fait... oui. Attends, avant German, il y a la nourrice. Ouais, c'est la putain de nourrice de Mergo de merde. Bien le bonsoir, Mitsuki Uzuki. Oh putain, vous êtes 19, merci à vous d'être là. Je rappelle encore une fois à toutes les personnes qui sont là qu'il y aura effectivement un live dans un peu plus de 2 heures pour une run au Cest uniquement sur Dark Souls 3. Voilà. Là, c'est un live test en fait pour... Parce que je voulais tester Explit. J'avais encore changé plein de trucs dessus. Donc voilà, c'était juste pour être sûr que ça fonctionnait en fait, tout bêtement. Moi j'avais activé l'ascenseur, mais je sais plus. Non, j'étais jamais allé peut-être. Je sais plus ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai branlé dans ce jeu? Non. Non, non, en fait j'ai jamais dû y aller ici. C'est dégueulasse. Comment j'ai fait pour pas me faire embrocher là? On va activer l'ascenseur hein, parce que je sens les mauvaises surprises. Franchement, le jeu aujourd'hui il est gentil hein, parce que plusieurs fois j'aurais dû me faire embrocher ou j'aurais dû me faire défoncer. Amidala, plusieurs fois, elle m'a balancé sur les côtés. Je pense que c'est les frames d'invulnérabilité, mais là par contre c'était du bullshit total. Ils sont en train de se faire défoncer là-bas. Warfield, merci de t'abonner. Merci beaucoup. N'oublie pas d'activer les notifications pour savoir quand je suis en live par mail. Damn. Oh putain. Ah, oh, j'étais obligé. Bon, allez. Bloodborne égale le bon. Tout à fait. Cest, quel genre d'arme Le Cest est une arme de poing. Allez, go. Ah, mais c'est ça, après le roi du 1PV, c'est le prince de la vulnérabilité, j'en sais rien. C'est très bizarre, c'est très perturbant. Ouais, donc du coup, ce soir, je pense que je vais me bouffer une petite fougasse devant la série Lost. Ça va être très bien. Et après, live Dark Souls 3, Chronocest. Ah, j'espère que vous serez nombreuses. Bon, alors je sais pas trop comment me la faire celle-là, à part bourriner comme un crétin. Oh wait, c'est la technique pour gagner. Je regrette de pas avoir une pilule. Non, pas la pilule bleue, je m'en fous de ça. Non, 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 la pilule de la bête. Pas grave, je vais regagner ma vie. Bah. Merde. Zut. Je me suis pris le premier coup, du coup j'ai pas pu esquiver le deuxième.
À tout à l'heure pour le love sur Dark Souls 3. Ok, de Marco. Si t'as besoin de cest, genre pour les premiers boss, je suis ready. Bah écoute, ouais, je pense que prépare-toi un personnage au cas où ou quelque chose, et puis écoute, je pense qu'on fera comme ça. De toute façon, il y aura le temps de se préparer, puisque je vais sûrement essayer de faire encore le glitch à l'arbre. Je vais encore passer 20 minutes dessus, voire plus. Ouais. Ravi, as-tu des infos sur un Bloodborne 2? Les seules infos que j'ai, pour autant qu'elles soient vraies, hein, elles ne sont pas certifiées à 300%, les seules infos que j'ai, puisque j'en ai des infos, les seuls que j'ai, c'est en gros, donc comme tout le monde, hein, ils sont sur plusieurs projets. Leur prochain projet, il est plutôt bien avancé. Mais ça m'étonnerait qu'ils sortent. Si tu veux, le projet est bien avancé, il pourrait sortir pour l'automne 2018. Mais à mon avis, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait grandement. Et je pense qu'ils vont le sortir à l'E3. Le truc, je pense. Parce que c'était soit Tokyo Game Show, soit E3. Je vois pas d'autres endroits où est-ce qu'ils pourraient annoncer ce genre de truc. Donc voilà. Mais après, te dire exactement quel jeu sur quel ils travaillent, ça j'en sais rien. Par contre, je suppose, au vu des infos que j'ai, que ce n'est pas Bloodborne 2. Très bien. Voilà, c'est une supposition des infos que j'ai. Écho de sang là, voilà. Merci. Si vous voulez les infos que j'ai, c'est vraiment très vague, très flou et bon, certaines infos que j'ai eues parfois se sont révélées être pas totalement dans le vrai. Voilà. Bah en gros, je pense pas qu'il bosse sur un Bloodborne 2, je pense que vraiment c'est une autre IP. Mais bon, si c'est Bloodborne 2, tant mieux, hein, je serais aussi sur Pokémon. Est-ce que ce serait ce fameux Phantom Whale ou je sais pas quoi que les gens discutaient sur Reddit? Ce boss qui est tellement intéressant. C'est fait. Taste Booyah! Nourrice de Merco. Ah, j'ai donné à Rito l'envie de manger sa fougasse. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a la même fougasse, on a les mêmes goûts, quoi. Donc, un bon appétit à ceux qui vont manger, hein. J'espère vous retrouver très vite pour le live Dark Souls 3. Et je suis très content en tout cas que tout fonctionne parfaitement sur le stream là, je regarde, tout va bien. J'ai donc gagné mon tiers de cordon ombilical. Such difficulty, much spam. Mais c'est trop ça quoi. Demon Souls 2. Je sais pas Demon Souls 2. En fait, Demon Souls, je le vois comme un Bloodborne, un one-shot. Je vois pas de suite. Parce que si tu veux, si vous voulez la suite de Demon Souls, c'est Dark Souls. C'est complètement la même chose. C'est juste que cette fois-ci, ils ont eu plus de temps pour bosser leur projet. Miyazaki a pu incrémenter toutes les idées du monde qu'il voulait dedans. Et c'est pour ça que Dark Souls reste un putain de chef-d'œuvre.
Alors, pas en termes de PVP ou quoi, mais en termes d'aventure solo. Oh, putain. Et Bloodborne fait presque mieux. Juste que la variété des builds dans Bloodborne, elle est à chier, quoi. Et le PVP aussi, j'ai pas compris cette histoire de cloche, quoi. Les mecs, ils se sont tirés une balle dans le pied pour les cloches. Genre, tu sonnes ta cloche, et si quelqu'un d'autre sonne la cloche, vous avez des chances de vous croiser. Non, non. Moi, je veux voir la marque de quelqu'un, je veux être sûr de qui j'invoque. Je peux invoquer quelqu'un au pif. C'est complètement nul. On va peut-être finir cette run NG plus 7 ce soir. Hein. Ça, une fois que tu dis ça. Hop. Alors, ils sont au métier. Là. Un tir de cordon. Et je fais ça bien sous le nez de Garman. Pour lui montrer un peu tout l'irrespect que j'ai pour lui. Hop. Et là. T'aurais dû absorber des tirs pendant le combat. Non mais je suis en New Game Plus 7, putain. Dear, oh dear. What was it? The hunt? The blood? Or the horrible dream? Moi je vois plutôt ça, un nouveau Souls-like, tu sais, une nouvelle licence, et si elle fonctionne bien, ce sera, il y aura un 2 et un 3. Oh, it doesn't matter. Mais moi ça me va, hein, c'est un peu le même genre de truc. Mais ils auraient pu faire des Dark Souls à l'infini, hein. Un nouveau royaume à chaque fois, un nouveau roi, une nouvelle connerie. Mais bon, il faut avouer quand même que les mecs, ils commençaient à faire un peu du copier-coller. La licence s'essoufflait, hein. Quoi qu'on en dise. Quoi qu'on en dise. Le 1 était un chef-d'œuvre, le 2, ils ont bien amélioré le PVP, mais je trouve que le solo est vraiment terne, vraiment... Enfin, pas inspiré. Et le 3 relève vraiment le niveau, quoi. Autant dans l'un que dans l'autre, mais pourtant il reste pas extraordinaire non plus en l'état. Il est très bon, mais je sais pas. Oh merde. Oups. Augure. Ok. Oh. Tu te rends compte quand même que je me bats contre un mec qui a une putain de grande faux, moi j'ai un vieux cure-dent, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait. New Game Plus 7 Garman. C'est la première fois que je l'affronte en New Game Plus 7. Hein. Nati ! Merci de t'abonner. Merci beaucoup. N'hésite pas à activer les notifications par mail, comme ça tu sauras tout de suite quand je suis en live. Tu n'es pas assez rapide, German. Une run à la faute, German. Bah, ce serait du NG+, et je trouve que le NG+, dans les runs à thème, c'est vraiment moyen, voire nul à chier. Parce que t'as forcément un gros niveau. Et t'as une bonne arme, quoi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. En gros, t'es déjà largement prêt. New Game Plus 2, là oui. Mais New Game Plus, du coup. Ouais. Merde. Cassos. Faut me soigner tant qu'à faire. Fait quoi là? Bon. Bien. Bon, il m'a tout shot. Oh merde.
pourquoi Bloodborne est sorti s'il n'y a pas de Bloodborne 2? Bah, Bloodborne, c'était à la base juste, c'était un jeu fait pour vendre la PS4 et pour un peu renouer les liens entre Sony et From Software, parce que souvenez-vous quand même que Demon's Souls était avec Sony. Et que les mecs, en gros, ils leur ont dit non, mais je te jure, hein, c'est réellement ce qui s'est passé. Un mec de chez Sony, dont j'ai oublié le nom, il est allé voir From Software pour tester Demon's Souls et voir où est-ce que le jeu en était dans sa phase de développement. Il a essayé, il a jugé que le jeu était trop difficile, trop lourd dans le gameplay, et du coup que ça allait pas se vendre. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait, entre guillemets, arrêter le projet de manière abrupte. Il a dit, bon bah les gars, le jeu, vous le sortez comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a une archi-pierre cassée, que il y a énormément de fichiers dans le jeu qui sont présents mais qui ne sont pas utilisés dans le jeu, parce que bah, normalement il devait y avoir cette sixième archi-pierre. C'était un monde enneigé en fait. Un monde enneigé, et le premier boss c'était le monstre. Je sais plus son nom, celui qu'on voit là dans le tuto au début. Et qu'on revoit dans le 4-1, là, le type à la massue, là, le démon à la massue. Bah à la base c'était lui le premier boss du monde 6-1, quoi. Et du coup, au final, le jeu, ils l'ont sorti en l'état. Au Japon, ça a été une tuerie grâce au bouche à oreille. Puis, peut-être un an après, peut-être 6 mois après, je sais plus, il est sorti timidement aux US. Pareil. De bouche à oreille, le jeu s'est très bien, enfin très bien vendu. Il s'est vendu, quoi. Puis il est sorti en Europe, encore des mois après, et paf, impeccable quoi. Là, c'était bon. Demon's Souls n'aurait pas forcément eu un DLC, non, c'est qu'il y avait une sixième archi-pierre. Alors après, est-ce que ça aurait été un DLC? Il n'y a qu'un pas. Même pour moi, non, c'est juste qu'il devait y avoir les six archi-pierres, le jeu devait être complet. On était encore à l'époque en 2006, hein. Donc, il n'y avait pas encore toute cette folie de DLC, hein. C'est con, j'avais fait un beau combat là et maintenant j'arrive plus. Merde. Et. Non. Aïe aïe, bien le bonsoir, Christophe Gourmand. Alors, il s'est très bien vendu, comparé à d'autres jeux, non. Mais comparé à leurs attentes, oui. En gros, le mec de chez Sony, là, le pire, c'est que maintenant, il a une très bonne place. Hein. C'est pas le bras droit, mais presque. Mais je sais plus qui c'est. Je sais plus qui c'est. Angelus, il le saurait, lui. Il se souvient bien de ce qu'il dit. C'est dans le bouquin Par-delà la mort. Mais. Ouais, puis même, ça c'était pas un secret non plus incroyable, hein. Tout le monde le savait un petit peu en se renseignant. C'est vrai que. C'est un truc de fou, quoi. Dis merde. Après, tu peux comprendre hein, ce que le mec il a ressenti. Le mec il a ressenti tout simplement ce qu'un joueur lambda ressent quand il joue à Demon's Souls. Hein. Tu sais, tu te dis merde, c'est super dur, je comprends rien. Je vais crever, le gameplay est lourd, c'est chiant. Il suffit qu'il ait choisi une classe de chevalier ou un truc comme ça. Pour vous dire, j'avais vu un test, par exemple, ça c'est un autre exemple que je vous donne, mais. Vous allez voir un test jeuxvideo.com sur Armored Core Verdict Day. Ou Armored Core 5, je sais plus lequel des deux. En gros, le type il se plaint qu'il ne peut pas loquer les robots qu'il y a devant lui ou à une certaine distance sur les côtés. Tu sais, si tu veux, le cône en fait pour loquer était trop étroit. Or le mec, il a quand même pris une mitraillette avec un FCS de sniper. Je traduis hein, pour ceux qui connaissent pas Armored Core. En gros, il a pris un système de lock qui fait un petit cornet sur le devant spécialisé pour les snipers. Donc pour être à très longue distance et avoir ta cible, tout ça. Et le mec, il jouait au corps à corps quasiment avec une mitraillette. Normal qu'il arrive pas à toucher l'ennemi. Et du coup, il met ça dans le test, quoi. Bravo. Mais tu vois, c'est pour ça. Le jeu, c'est difficile de vraiment comprendre toutes ces subtilités. Donc le mec de chez Sony, oui, évidemment, il faudrait le lapider sur la place publique. Hein. Mais le jeu s'est au final quand même vendu et ça a quand même réussi.
Et malheureusement, c'est ça, il faut le faire tester par plusieurs personnes. Moi aussi, hein, tu m'aurais mis Demon Souls dans les mains la première fois, putain. Bah, j'aurais aimé l'univers quand même. Parce que moi, c'est ce qui m'avait plu au début. Putain, je me fais défoncer. Et il est 19h23, donc je vais pas tarder à y aller. Parce que j'aimerais bien quand même manger. On va faire encore un ou deux essais, puis après je vais aller manger. Et ensuite on se retrouve pour du Dark Souls 3. C'est dommage que Demon's Souls n'a pas continué. Ouais, c'est sûr. La 6ème archipierre, pour ceux qui veulent voir, je pense que ça peut se retrouver sur YouTube. J'ai pas le lien là, sous les... là comme ça. Mais je sais que j'avais retrouvé. Et en gros, pour vous donner une idée, la 6ème archipierre, le monde, c'est enneigé et le début ressemble à s'y méprendre au, à la zone enneigée de mer du DLC 3 de Dark Souls 2. Vous savez, avec les, la zone avec les poneys, là, bah, ça ressemble à s'y méprendre. Le début, c'était ça, en fait, à la base. Tu marchais et t'avais des pièges. C'était un peu bizarre. Et je pense que le but, au début, c'était que tu n'y voyais rien. Tu n'y voyais rien. Et ensuite, t'arrivais dans l'espèce de temple un peu... un temple maya, un petit peu, sous la neige. Et ça aurait été le deuxième bout du monde 1, quoi. Mais le tout début, c'était ça, mais ça ne devait pas durer bien longtemps. C'était genre une dizaine de minutes, tu marchais comme un con à essayer de trouver le chemin. Mais c'était très linéaire, hein, c'est pas comme le DLC 2. Je me fais... Non, trop tôt. Ah bah écoute, Harry Bob, je ne vais pas te forcer à regarder mes lives. Il y aura la rediff de toute façon sur YouTube, hein, ça c'est sûr. Vu que je sais qu'apparemment, vraiment, là j'ai aucune frame drop. Je suis tout le temps à 2000 kbps, donc ouais, franchement les réglages là ont l'air d'être vraiment top. Voilà. Tu connais les jeux From Software avant Armored Core? J'ai jamais joué à Kingsfield, j'ai jamais joué à... À part Kingsfield, je sais, ils ont fait les Tenchu. Tenchu, je connais que de nom et j'ai vu des potes y jouer devant moi sur une démo. Mais voilà. Mais Armored Core, je connais depuis Silent Line. Donc je ne mens pas, hein, je dis pas, oh, je connais depuis toujours. Non, non, je connais que depuis Silent Line. Donc ça doit être de 2004-2005. Mais sachant que j'ai eu en promo à l'époque, hein, donc il était, il venait peut-être pas de sortir, tu vois. Peut-être que ça date de 2006. Voilà. Et après il y avait eu Armored Core Nexus qui était sorti peut-être un an après, 6 mois après, je sais plus, peut-être un an après. Et c'est à partir de là où vraiment j'étais à fond dans les jeux From Software, avec les Armored Core principalement bien sûr. Et franchement moi si on m'annonce un nouvel Armored Core, honnêtement je devrais changer de pantalon quoi, hein. Franchement oui. Allez, je réessaye encore une dernière fois, puis après je vais aller manger. C'est exactement ça, Harry Bob. Dans Dark Souls, ils ont fait ce qu'ils n'ont pas pu faire sur Demon's Souls. C'est pour ça que ça reste un putain de chef-d'œuvre malgré les années. Alors certes, la maniabilité est extrêmement lourde. Il y a des chutes de FPS quand t'es sur console. Et pourtant, je suis un pro-console, hein, donc ça me fait mal de dire ça. Mais bonsoir, bonsoir. Donc ça me fait très mal de dire ça, moi qui suis un pro-console, mais oui, quand il y a des zones dans Dark Souls 1, t'es à 15 FPS, hein, ça c'est sûr. Bloodborne, c'est mon jeu préféré de tous les jeux Souls, parce que c'est l'univers qui me colle le mieux, et le gameplay aussi. Après, il y a plein de défauts sur Bloodborne, hein, le PVP, et notamment la magie, les builds de magie qui sont inutiles dans ce jeu. Ils auraient dû mettre une barre de magie, hein, franchement. D'ailleurs, ils sont revenus en arrière, hein, dans Dark Souls 3, il y a bien une barre de magie. Je me rappelle avoir joué à Armored Core 5 sur PS3. Ah ouais, je l'avais. Je l'ai toujours, hein. Je l'ai toujours. Hein. Je peux toujours me faire une partie si je veux. Mais le 5 est un peu moyen. En fait, l'Armored Core, ce qui est très moche, mais toujours vrai, c'est qu'ils vont en sortir. Par exemple Armored Core 5, Armored Core 4, Armored Core 3. Mais c'est vrai pour tous les Armored Core. Ils vont en sortir un, donc là par exemple le prochain ce sera sûrement le 6, à moins qu'il ait un sous-titre ou quoi. Ce sera le 6. Il y aura très peu d'armes, très peu de trucs, le solo sera moyen.
parce qu'ils veulent tâter le terrain, et ensuite ils vont t'en faire un peut-être un an après, même pas un an et demi après. Et celui-là, il y aura deux fois plus d'armes, deux fois plus de trucs, il sera 100 fois meilleur. C'est une coutume un peu. En fait, ils tâtent un peu le terrain, le nouveau moteur, le nouveau truc, et puis c'est parti quoi. Tu peux en trouver des personnes sur PvP en... sur Bloodborne, mais tu trouves pas forcément les personnes que... genre des amis. Typiquement, ça m'est arrivé des soirées de faire du PvP, et certaines personnes n'arrêtaient pas d'actionner leur cloche, et ça marchait jamais, je les trouvais pas, quoi. Ok. J'avais oublié ça. Putain de merde. Oh non, sérieux. Ah mais je dis pas après que ça marche jamais hein. Je dis juste que des fois en PvP je sais qu'il y avait des personnes qui avaient le même niveau que moi, même endroit que moi dans le jeu, et ils m'ont jamais trouvé en une soirée quoi. Dans la merde. J'ai pas le temps de frapper, j'ai pas le temps de tirer en fait, il m'a déjà attaqué. C'est chaud, il est plus rapide que mes réflexes. T'es. Ah mais Armored Core, ouais, après t'as pas trop accroché, bon ça après c'est le truc hein. Mais si t'aimes les mechas et passer des heures à faire ton robot, c'est sûr c'est excellent hein. Mais tu vois, genre les jeux Souls, des fois certaines personnes me disent « Ah y'a trop de trucs, je comprends rien » Tu sais, du genre... typiquement tu vois ça déjà, y'en a ils sont perdus et c'est normal. Pourtant y a rien là. Tu vas sur Armored Core, putain ça tu rigoles hein, quand t'as ça t'es là « Oh trop bien, trop simple !» Y'a trop de chiffres. Bon bah pas de fin de NG plus 7 ce soir mais putain il reste que deux boss quoi. Donc je vous dis à dans un peu moins de 2 heures, donc à 21h15 pour la run au cest uniquement sur Dark Souls 3. Et puis moi pendant ce temps je vais manger, et pour ceux qui veulent voir comment j'ai vaincu l'orphelin de Kos, restez sur Twitch, attendez que j'arrête le live, faites un petit coup de F5. Et normalement, il devrait y avoir la rediff qui devrait vous apparaître comme par magie dans une petite fenêtre. Voilà. Allez, à tout à l'heure. J'y vais, je veux pas traîner, parce que sinon je vais être en retard pour le live. bon appétit à vous, et à tout à l'heure. Allez, salut. And don't forget to taste the booyah! Moi, je connais une fougasse qui va connaître mon estomac. Allez, à tout à l'heure, tout le monde. À tout à l'heure, bon appétit.